Aujourd'hui, dans Posture à la loupe, je vais vous présenter une posture de Pilates qui s'appelle le roll-up. Donc, je vais vous montrer sa version un peu plus aboutie. Et puis après, je montrerai deux autres versions et adaptations pour pouvoir progressivement la réaliser. Donc, on va se mettre allongé sur le dos, sur son tapis. Vous pouvez passer par le côté. Vous allez allonger vos deux jambes. Vous placez bien votre bassin neutre, donc le sacrum bien à plat sur le sol. Vous allez coller les deux jambes. Position de départ, les deux bras le long du corps. À l'inspiration, vous allez étirer les bras vers l'arrière. Puis, vous contractez votre périnée, vous expirez par la bouche. Flexion de buste. Jusqu'à la pointe des omoplates. Puis, on va aller vers l'avant dans la courbe C à la fin de l'expire. Inspire. Vous allez en dos plat, vous étirez les bras vers le ciel. Vous revenez bien les épaules au-dessus du bassin. Et on va retourner au sol avec le roll down. Contracte ton périnée, expire par la bouche, on retourne les paumes de main vers le sol et on va dérouler sa colonne vertébrale, tout petit à petit, vertèbre par vertèbre, jusqu'au bout. Je replace les paumes de main vers le sol, je replace ma nuque, menton rentré, nuque étirée. Je vais vous le montrer une fois dans le mouvement. Ce qu'on cherche dans cette version-là, c'est vraiment la fluidité qui est aucun à-coup. Il y a un passage qui est délicat, c'est ce passage ici. Une fois qu'on redresse le buste, on se sent un petit peu bloqué au niveau du bassin. Il faut vraiment penser à amener son bassin avec ses iliaques vers l'avant. Vraiment cette mobilité du bassin. Pour vous aider, la deuxième version, on va partir cette fois-ci allongé sur le dos, mais les genoux pliés. Et on va s'aider en marchant un petit peu plus vers l'avant. On peut attraper l'arrière des cuisses. Même départ, inspire les bras vers l'arrière. Contracte périnée, expire. Je peux attraper avec mes deux mains l'arrière de mes cuisses et en même temps, j'allonge mes jambes pendant que je me redresse. Je peux faire des petits pas ou simplement glisser mes jambes. Je me retrouve dans la courbe C. Et puis, je continue. C'est la version du roll-up où on passe par le dos plat. Inspire, dos plat. Contracte périnée, expire. J'enroule complètement ma colonne vertébrale. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Maintenant, une autre version. Je peux remonter en passant par le côté dans un premier temps, si je débute. Et puis, déjà, travailler ce roll-down. Sentir cette colonne vertébrale et cette mobilité du bassin. Je contracte le périnée, j'expire par la bouche. Je pose les deux mains au sol. Je me tourne sur le côté. J'appuie sur les mains. J'étire la jambe supérieure pour m'aider. J'appuie sur mes deux mains et je reviens au centre. Voilà, c'était la posture à la loupe du jour avec roll up, roll down.